Hello everyone. Bon vendredi tout le monde. Je veux commencer aujourd'hui par parler de nos nouvelles mesures concernant les voyages et les voyageurs canadiens. Avant d'entrer dans les détails, je me tiens à mettre des points au clair et à faire quelques rappels. La situation est complexe et c'est important que tout le monde comprenne bien les faits. Premièrement, depuis près d'un an, les frontières du Canada sont fermées pour les voyageurs étrangers. Ce que ça veut dire, c'est que depuis mars dernier, un Français ou un Américain, par exemple, ne peut pas rentrer au Canada pour des raisons non essentielles. De plus, on a une quarantaine de 2 semaines obligatoire, stricte et surveillée, et on exige maintenant un test négatif avant le retour. Rappelons-nous que les États-Unis viennent tout juste d'annoncer des mesures semblables à celles que nous avons prises en mars dernier. Deuxièmement, selon les données disponibles, on sait que moins de 2 % des cas de COVID-19 sont liés à des Canadiens qui reviennent au pays. C'est la preuve que nos mesures actuelles fonctionnent. Toutefois, comme je l'ai déjà dit, même un cas, c'est un cas de trop. Particulièrement, donné que maintenant, on doit tenir compte des nouveaux variants du virus. Aujourd'hui, on annonce donc de nouvelles mesures additionnelles pour aider à empêcher ces variants d'entrer au pays. Sachez que nos experts et nos scientifiques suivent de très près l'évolution de ces variants dans le monde. On vous comprend d'être inquiet et on prend cette situation extrêmement au sérieux. Et sachez qu'on agira toujours de façon à vous protéger. We all need to do our part to keep ourselves, our loved ones, and our neighbors safe. That's every person, every business working together. And now, Canada's air carriers are stepping up to protect Canadians too. The government and Canada's main airlines have agreed to suspend service to sun destinations right away. Air Canada, WestJet, Sunwing, and Air Transat are canceling air service to all Caribbean destinations and Mexico starting this Sunday up until April 30th. They will be making arrangements with their customers who are currently on a trip in these regions to organize their return flights. I'd like to acknowledge the leadership of Air Canada, WestJet, Sunwing, and Air Transat in making this commitment to suspend flights and be such strong partners in the fight to curb the spread of COVID-19 and its variants. We appreciate the work the Canadian Airlines and their frontline workers have done to make air travel safer and to bring Canadians home when this pandemic struck last spring. With the challenges we currently face with COVID-19, both here at home and abroad, we all agree that now is just not the time to be flying. By putting in place these tough measures now, we can look forward to a better time when we can all plan those vacations. Our government is committed to the safe restart and recovery of the Canadian travel and tourism sector as soon as conditions approve, ideally later this year. As part of this effort, the Government of Canada has committed to work with the major airlines on the future relationship between testing and quarantine requirements. This will enable the safe, gradual return to international air travel grounded in science and evidence. On top of these flight cancellations, we're bringing in other measures as well. Starting next week, all international passenger flights must land only at the following 4 airports: Vancouver, Calgary, Toronto, and Montreal. In addition to the pre-boarding test we already acquire, as soon as possible in the coming weeks, we will be introducing mandatory PCR testing at the airport for people returning to Canada. Travelers will then have to wait for up to 3 days at an approved hotel for their test results at their own expense, which is expected to be more than $2,000.
Those with negative test results will then be able to quarantine at home under significantly increased surveillance and enforcement. Those with positive tests will be immediately required to quarantine in designated government facilities to make sure they're not carrying variants of potential concern. We will also, in the coming weeks, be requiring non-essential travelers to show a negative test before entry at the land border with the US, and we're working to stand up additional testing requirements for land travel. Aujourd'hui, je peux annoncer qu'à partir de dimanche, les vols entre le Canada et les destinations Soleil, précisément les Caraïbes et le Mexique, seront suspendus jusqu'au 30 avril. Air Canada, WestJet, Sunwing et Air Transat ont accepté de faire partie de la solution pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. De plus, le plus vite possible en février, nous ajouterons un second test obligatoire à l'aéroport quand les passagers arrivent. En attendant le résultat de ce test, les voyageurs devront rester en quarantaine à leurs frais, à un coût de plus de 2 000 $, dans un hôtel supervisé pour une durée de 3 jours. Si ce test est négatif, la quarantaine pourrait se terminer à la maison, mais avec des mesures de surveillance accrues. Ceux qui testent positifs feront leur quarantaine dans un centre de la santé publique pour s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs d'un nouveau variant du virus. Il y a plusieurs raisons légales, logistiques et pratiques qui font en sorte que des décisions comme celle-ci ne doivent pas être prises à la légère ou sur le coin d'une table. On va toujours garder une approche rigoureuse pour prendre des décisions réfléchies et efficaces qui prennent en compte l'ensemble des facteurs et des conséquences. Vous le savez, depuis le début de la crise, ma priorité, c'est de protéger les Canadiens. Il faut continuer de travailler ensemble. Les gens ne veulent pas voir des chicanes politiques sur le dos de la pandémie. Concernant les vaccins, mercredi, j'ai parlé avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui m'a confirmé que les mesures prises par l'Europe n'affectent pas les livraisons des vaccins de Pfizer et de Moderna vers le Canada. We learned yesterday that there will be a delay affecting many countries, including Canada, for the next shipment of the Moderna vaccine, which arrives next week. We will receive 78% of the expected amount, translating to 180,000 doses. I want to be clear. We will always share the most accurate information we have, but in the short term, those numbers can fluctuate. But as global production continues to pick up, there will be more stability in the system. And most importantly, this temporary delay doesn't change the fact that we will still receive 2 million doses of the Moderna vaccine as planned before the end of March, as we've been saying for months. On vaccines, I had another call with the global CEO of Pfizer, Dr. Albert Bourla, who confirmed yet again that we are still on track to receive 4 million doses of their vaccine before the end of March. We also talked about Canada receiving more doses ahead of schedule starting in the spring. We'll have more details to share on that next week. Production lines around the globe are adapting to high demand from every country. We're focused day in and day out on getting a vaccine to every Canadian who wants one by the end of September, and we are very much on track to do just that. Since the beginning of this pandemic, our priority has been protecting you and your family. And just like that means securing vaccines, it also means making sure that kids are safe at school. I've had the chance to drop in on virtual classrooms across the country. From Edmonton to Miramichi, I've been reminded about how just how resilient kids are. But that doesn't mean it isn't tough for them, too. Emily at St. Martha's in Kingston told me that school is hard these days because of COVID. To Emily and her friends in Mrs. Au's class, and every kid out there listening,
You're doing a great job. So keep it up. With this second wave, your schools need support to keep you safe, protect your teachers, and make sure you and your friends can continue learning wherever you are. So today, I have some important news to share with you. We've now reached agreements with all provinces and territories for the second installment of federal funding through the Safe Return to Class Fund. This $1 billion investment will go towards everything from more sanitizer to better ventilation for classrooms to support for online learning and remote classes. Bien sûr, l'éducation est de compétence provinciale. Et comme je l'ai dit au Premier ministre lorsqu'on a annoncé le fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire l'an dernier, c'est un principe qu'on respectera toujours. Les provinces et les territoires pourront se servir du soutien qu'on leur apporte avec ce fonds pour aider les écoles, les enseignants et les élèves pendant ces moments difficiles. Déjà, la première moitié de l'argent investi à l'automne a fait une grande différence pour les élèves et le personnel à travers le pays. So to teachers, support staff, students, volunteers across the country, you're doing a remarkable job. The lessons you're teaching our kids, resilience, critical thinking, compassion, will serve them and our country for the rest of their lives. Things will get back to normal, and until then, we will keep having your back. Au Canada, peu importe votre âge, où vous vivez ou qui vous êtes, tout le monde mérite de se sentir en sécurité. En septembre dernier, la mort tragique de Joyce Ishikwan nous a rappelé à quel point le racisme systémique existe encore dans notre pays. C'est inacceptable qu'il y ait des membres des communautés autochtones qui subissent la discrimination dans nos systèmes de santé. Hier s'est conclu un deuxième dialogue national durant lequel les participants ont renouvelé leur détermination à éliminer le racisme systémique dans le milieu de la santé. Pendant ces échanges, des partenaires autochtones ainsi que des intervenants et des représentants du domaine de la santé, de l'éducation et des provinces et des territoires ont pu s'exprimer et partager des pistes de solutions pour améliorer nos institutions. Je tiens à souligner le travail du ministre Miller, qui a lancé hier aussi le début des discussions pour co-développer une loi sur la santé des Autochtones fondée sur les distinctions, dans le but d'assurer des soins de santé de grande qualité pour tous les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Il est plus que temps qu'on mette fin à toute forme de discrimination et de racisme dans nos systèmes de santé au Canada. Il faut continuer à travailler ensemble pour y arriver une bonne fois pour toutes. Just like we need to end systemic racism in our healthcare systems, we also have to address gender-based violence in our country. Far too many women and girls were already facing violence, and this pandemic has only made things worse. Since the beginning of this crisis, we've provided $100 million to organizations and shelters in support of victims of gender-based violence. And there's still so much more work to be done. Last week, ministers from different orders of government responsible for the status of women endorsed the Joint Declaration for a Canada free of gender-based violence. This joint declaration affirms a common vision to put a stop to violence against women and girls and is an important step in developing a national action plan to end gender-based violence in Canada. I want to thank Minister Monsef and all ministers involved for their important work. Pendant qu'on lutte contre la violence fondée sur le sexe, il faut aussi continuer à combattre toutes les autres formes de violence et de haine. Il y a 4 ans ce soir, un attentat terroriste islamophobe au Centre culturel islamique de Québec a coûté la vie à 6 personnes et en a gravement blessé 19 autres. Aux familles et aux proches des victimes et aux membres des communautés musulmanes partout au Canada, je sais que ça fait encore mal. Au nom de tous les Canadiens, on est solidaires avec vous. On est tous unis
pour défendre nos valeurs de diversité et d'inclusion. Nos gestes comptent et nos mots aussi. Les commentaires racistes, les propos haineux, les insultes des trolls, la désinformation, que ce soit en ligne ou ailleurs, ont des conséquences réelles. Il faut en être conscient et il faut continuer d'agir. On a pris plusieurs actions concrètes au cours des dernières années. On a fait des investissements pour protéger les Canadiens dans leur lieu de culte et assurer la sécurité des collectivités à risque. On a lancé des initiatives pour lutter contre la haine en ligne. Et l'an dernier, on a aussi banni des modèles d'armes d'assaut pour empêcher que de telles tueries se reproduisent. What happened 4 years ago tonight in Quebec City was an unthinkable tragedy. We cannot and we will not ever forget. That's why January 29th will officially become the National Day of Remembrance of the Quebec City Mosque Attack and of Action Against Islamophobia. Le 29 janvier deviendra officiellement la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie. Every year on this day, we will honor the victims and we will recommit ourselves to fighting the discrimination and hate that took them from us. No one should ever be afraid because of the way they pray, not in Canada and not anywhere around the world. Today and always, we must stand strong and united because that will always be our path forward. I think that's something we've all been reminded of over the last year as Canadians have come together to fight this once-in-a-generation crisis. Cases are slowly decreasing because everyone is doing their part. So thank you and keep it up. I also want to thank the many people who are making sure that no one gets left behind, no matter where they live. Together, we've overcome the vast geography and the tough winter of this country to get more than 10% of the adult population of the territories already vaccinated. It just goes to show that we have the plan and the team to get this done. More vaccines are on the way. Spring is coming, and together, we're going to get through this.